Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare pour le passage au prestige 10. Et comme prévu, comme j'avais déjà pu vous le dire précédemment, ce passage se fait du coup très vite hein, par rapport au passage au prestige 9. Voilà, le double XP a bien aidé, surtout que le double XP n'est pas encore fini à l'heure où je vous parle, parce que du coup là je vous tourne ces vidéos, on est le lundi, donc il reste encore un jour de double XP. Je vous rappelle du coup que le passage au prestige 9, je l'avais tourné le vendredi, donc maintenant ça fait 3 jours. Vous voyez, très peu de temps finalement pour le passer ce prestige 9, mais enfin oui, pour passer l'intégralité des niveaux de ce prestige 9 et pour du coup accéder au prestige 10. Mais bon, c'est comme ça, hein. Merci le double XP, merci, je le répète, comme je l'avais dit pendant le gameplay, les 20 niveaux passés en une seule game de mêlée générale, merci les défis, merci tout. Alors du coup, pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé durant le Prestige 9, quasiment rien, vu que ça a été rapide. J'ai quand même monté quelques armes en or, ça n'a pas non plus été le vide total, mais bon, à part la montée des armes en or, il n'y a vraiment rien eu de spécial, mais alors rien du tout, je vous le garantis. Donc au niveau des armes... Alors, la dernière fois, je vous rappelais que du coup, il restait les batteuses, les snipers et les pistolets à monter, avec du coup, seulement la Mauler. Ouais, il y avait seulement la Mauler qui était montée pour les batteuses, mais sinon, en pistolet, il n'y avait rien, et en sniper, il n'y avait rien non plus de montée. Je prends quand même en occurrence ce que vous avez dit durant le gameplay, c'est-à-dire que, bon, le Space 12, effectivement, je l'ai monté durant ce Prestige 9, mais bon, vu que je vous l'avais déjà indiqué... lors de la présente vidéo, lors du passage au Prestige 9, j'y reviens pas, donc les armes classiques, voilà, aussi, ils ont été montés en diamant, mais bon, ça, c'est plutôt anecdotique. Donc, au niveau des batteuses, pour revenir là-dessus, parce que, voilà, je vais faire encore une fois un récapitulatif des armes, en fait, de ce qui reste à monter pour avoir le camo solaire et nuit noire. Au niveau des batteuses, c'est comme si je les avais déjà en diamant, donc, la roue, je l'ai montée en or, elle est en or. Et là, Titan, il me reste un seul défi, ce sont les séries de 3 éliminations, donc je suis déjà à 6 sur 20. Donc ça se fera très rapidement et d'ailleurs j'ai un plan de prévu, mais bon, ça je dirai à la fin, une fois que j'aurai parlé de toutes ces armes. Donc les batteuses, c'est bon. Pour ce début de toute façon de Prestige 10, elles auraient forcément en diamant quoi. Donc voilà. Ensuite, pour les snipers. Alors pour les snipers, le KB, je vous avais dit que je le montrais en or. On peut dire que c'est chose faite également parce que volontairement j'ai gardé un seul défi. Là je vous dirai également pourquoi, mais il reste plus que ça. Il suffit juste de faire une série de 3 éliminations avec le KBS. Et je l'endors, voilà. Donc ça va se faire très rapidement. Après les autres snipers, j'ai pas joué avec, hein, tout simplement. Widowmaker, DMR1, ainsi que le Bear, j'ai pas du tout touché à ces armes. Mais maintenant, on va commencer à s'y intéresser. Surtout Widowmaker et EBR. Je pense que je vais laisser le DMR1 un peu plus pour après. Mais on va rusher les armes, hein, là. Parce que de toute façon, vu comment c'est parti, le principe est là. Plus on va dire... Tu vas monter d'armes de toute façon sur un jeu et que tu vas t'approcher du camo ultime, plus tu auras envie de monter, c'est ce qui se passe. Vraiment là, j'ai une de ces hype, une de ces motivations pour faire les défis que il y a peut-être moyen qu'en une semaine, enfin dans une semaine par rapport au moment où je vous tourne ces vidéos, j'ai le camo nuit noire et solaire, hein, je vous le dis clairement, parce que là je suis motivé de ouf pour faire les dernières armes, donc ça risque de pas trop traîner. Donc il restera du coup voilà le Bear, le Widowmaker et le DMR1. Pour les snipers, mais ça peut se faire assez rapidement, hein, surtout pour le Bear et DMR1, parce que c'est pas vraiment des snipers en soi, hein, le Bear c'est plus un fusil d'assaut pour moi, et le DMR1 pareil, un peu une M1, donc ça sera rapide. Et pour les pistolets, j'ai monté le Hellstorm, c'était d'ailleurs ridiculement facile, mais moi je vous disais des conneries, parce que la dernière fois, je le soulignais encore ça aussi, je vous avais dit que ouais, peut-être que ça passerait pas la Kimbo sur cette arme pour faire les headshots rapidement. Mais c'est encore plus efficace qu'avec le frelon, vous mettez l'Akimbo sur l'Hellstorm avec quelques autres accessoires, hein. Mais les headshots vous les faites en 2-2 quoi, hein. 10 headshots par partie de mêlée générale, je vous garantis, hein. Et là tu restes pas traîné, donc l'Hellstorm c'était ultra simple. Du coup il me reste le MC, l'Oni et le Kendall 44. Alors si vraiment ces trois armes c'est la même chose en termes on va dire d'Akimbo pour faire les headshots, mais ça va aller également très vite, hein. C'est pareil que le frelon et le Hellstorm. Je vais les rusher hein, ces trois pistolets. Donc vous voyez au final il me reste on peut dire 6 armes à monter si j'enlève le KBS et la Titan qui eux normalement c'est bon hein, en ce début de Prestige 10 ce sera parfait. Il reste plus que ces 6 armes et du coup j'ai un plan. Eh oui j'ai un plan.
250 000 XP, c'est le record établi du coup avec la montée des classiques en diamant. Je vous avais dit 250 000 XP en une seule partie. Mais bon, il y a encore double XP et je vous avais dit qu'il y aurait peut-être moyen de retenter le truc en encore plus si bah, la Titan j'arrivais à la monter facilement, ce qui a été le cas du coup, vu que là il y a encore double XP pendant un jour. Donc j'ai comme plan de justement bah, monter la Titan et le Kabès dans la même partie. Ce qui fera que j'aurai l'XP pour le camo or du Kabès et le camo également qui me manque. Mais j'aurai également l'XP pour la Titan en or ainsi que les batteuses en diamant. Alors si uniquement pour les classiques j'ai eu autant d'XP, alors si je rajoute en plus une arme en or qui est le Kabès, je pense que je peux battre facilement les 250 000 XP vu qu'il me reste encore 4 jetons de double XP, donc ce sera bon. Donc je vous tiens au courant, je vous tiens au courant, mais voilà, je vais essayer du coup de monter dans une seule et même partie la Titan et le Kabès. Je laisserai quelques séries 3 pour le Titan et voilà, ça se fera naturellement je pense, hein. Et normalement, les 250 000 XP, je vais les battre et ce sera pas 20 niveaux que je passerai cette fois, ce sera encore plus, hein. En tout cas j'espère. Mais ouais, y a moyen que ça se fasse comme ça, il y a moyen. Comme ça, bah, dès le début de Prestige, je serai lancé directement. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire normalement, vraisemblablement, voilà, j'ai fait un peu le tour au niveau de ça. Donc je reste, on va dire, sur la perspective que normalement au Prestige 11, j'aurai le camo nuit noire et solaire. Prestige 11 pour moi, ouais, c'est largement bon vu qu'il reste plus que 6 armes. Ça devrait être plutôt rapide, je pense. Il n'y a aucune arme, on va dire, qui me fait vraiment obstacle là avec des défis qui pourraient être compliqués. Non, vraiment, ça va s'enchaîner rapidement, donc c'est parfait. Du coup, bah maintenant, passons le prestige 10, ça n'empêche, j'ai pas pu bien profiter de ce prestige 9, hein, tellement qu'il est passé rapidement. Mais bon, c'est comme ça, hein, au moins un prestige 10 déjà. Et ouais, c'est plutôt cool. Du coup, bah je vais débloquer une nouvelle classe, jetons également de déblocage et surtout la dernière carte de visite. Parce qu'après ça, on passera les prestiges de maître prestige 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elle a encore beaucoup des prestiges, donc voilà ce logo que vous connaissez tous, vu qu'il est resté pendant longtemps le logo de Prestige Max. On y accède! Yeah! Voilà le prestige d'ici, il est beau en plus, il est beau. Même lui, je sens que je vais pas rester longtemps. Hein. On va vite sûrement passer au prestige 11, hein. Même s'il reste qu'un jour de double XP, je pense que je peux quand même encore un peu en profiter. Alors, le jeton de déblocage, comment je vais m'en servir? Là est la question, je n'ai aucune idée. Je pense qu'en termes d'armes, bah il n'y a aucune arme où j'ai vraiment un réel intérêt de débloquer. Surtout que je sais que là, en fait, si je fais vraiment mon truc, bah je serai rapidement propulsé au niveau 30 d'un coup. Donc quasiment toutes les armes sont déjà débloquées. Parce que sinon, ouais, il y a le Widowmaker. Mais non. Ouais, niveau 26, je sais que ouais, en faisant le défi, si je passe encore les 20 niveaux, vous voyez, en in-game, même plus, bah non, ça sert à rien. Même arme secondaire, bah il y a le Kendall 35, mais même, de toute façon j'ai le MC et l'Oni, donc ouais, non. Aucun intérêt, donc on va plus se pencher vers un atout, série de points ou autre. Atout même, il n'y a rien d'intéressant en fait. Non. Non, il n'y a rien d'intéressant. Il faut savoir qu'il y aura encore plein de trucs à débloquer de manière permanente, hein. C'est pas fini, on est qu'au prestige 10 sur 30, hein. Moi je me pencherai peut-être vers le Vautour, parce que le Vautour c'est une très très bonne ouais, série de points. Mais niveau 39, c'est chaud quand même d'attendre des fois. Ouais, vraiment. Parce que au-delà de ça, il n'y a pas vraiment. Il y a les packs d'armure, ouais, je peux débloquer une armure. Mais je pense que je vais plus me pencher ouais, vers le vautour. Aujourd'hui, bon. Petit truc à débloquer, honnêtement, c'est pas énorme. Mais ouais. Allez, je vais débloquer ça. Voilà, vautour débloqué. Et du coup, bah c'est du tout bon. Donc au niveau du gameplay, vu que la dernière fois j'avais pas pu vous faire vraiment de gameplay à la Titan, du fait que justement bah, il y avait la priorité sur l'arme classique qui était le Space 12, on va prendre notre revanche aujourd'hui et je vais vous le faire, ce petit gameplay à la Titan du coup, comme ça me permettra également de bah, d'un peu avancer pour les séries 3 en même temps de faire le gameplay. Donc aujourd'hui gameplay avec la Titan, mais avant on va voir quand même les statistiques, même si du coup bah bien entendu ils n'ont pas grandement évolué par rapport à la dernière fois. Mais bon, c'est toujours bien de regarder tout ça. Alors au niveau des armes bah, les plus utilisées, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a seulement les armes que j'ai utilisées pour les monter, bah, qui sont un peu montées en stats, quoi. La Rho notamment, le Hellstorm aussi, le Hellstorm, ouais, vous voyez, hein, quand même 1,85 de ratio, c'est pour vous dire que c'était plutôt simple. Sinon j'aurais pas eu un aussi gros ratio avec cette arme, voilà, Titan même, hein. Même Titan, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de kills. Les headshots étaient très très simples, hein. Finalement, je faisais pas ça dès le début. Au début, vraiment, bah j'étais pas énormément motivé parce que j'avais pas encore beaucoup d'armes en or, donc
Mon astuce, c'était que j'avais pas d'astuce. Finalement, je jouais avec l'arme, mais bon, les headshots, ils se faisaient comme ça. Quand je faisais un kill, tant mieux s'il y avait headshot, mais sinon, je cherchais pas vraiment à en faire. Là, c'est vrai que, bon, les dernières armes, là, j'étais vraiment dans l'objectif de faire des headshots, et j'en sais souvent au moins 10 par partie de mêlée générale, donc ça allait très très vite, hein. Quand tu cherches vraiment à faire des headshots, ouais, tu restes pas traîné, hein. Clairement, tu restes pas traîné, donc voilà, ça c'est pour les stats d'armes. Après, bon, ça aussi, ça a pas changé, du coup, hein, forcément, pour les petites armures de combat. Bon, équipement mortel, aucun intérêt. Équipement tactique, c'est pareil. Série de points, là, voilà, je vous fais défiler, mais ça n'a pas non plus énormément changé. Série de points de soutien non plus. Et les modes de jeu, je crois que j'ai joué que en mêlée générale et en match à mort par équipe durant, de toute façon, ce prestige. Mais même très très peu en match à mort. Hein. C'était quasiment que de la mêlée générale parce que c'est clairement, mais sans hésiter, le meilleur mode pour monter ses armes. Il n'y a vraiment pas à hésiter. C'est vraiment le meilleur mode. C'est là où c'est le plus simple. Pas parce que les ennemis sont mauvais, mais parce que vu que t'es solo, que t'as pas de coéquipier qui te vole les kills et tout ça. C'est plus simple, c'était pareil de toute façon sur Black Ops 3 à l'époque, donc voilà, ça a pas changé, hein. Donc ça c'est pour voilà, les statistiques un peu approfondies. Maintenant on va passer aux statistiques un peu globales, voilà, qui en tournent tout. Bon, les records, on passe. Temps de jeu, du coup, 6 jours, 23h42 minutes et 32 secondes, donc en 7 jours, hein, si on peut arrondir comme ça. 2110 victoires, voilà, avec un petit ratio victoire-défaite qui est de 2-12, donc très très bon. Mais bon, quand ça va en mêlée générale, en même temps, ça monte vite, hein. Après, un 92 de ratio élimination mort, il a un peu baissé, mais vraiment un chouïa, hein, un chouïa. Parce que bon, j'étais à la limite avant du 1,93, donc là, je suis un peu baissé, mais genre, c'est quasiment si j'avais gardé le même ratio. De toute façon, bon, en ce moment, il va pas trop monter, vu que je monte des armes. Mais tant mieux s'il baisse pas, tu vois. De toute façon, vous voyez le graphique, hein, de mes derniers ratios. 1,95, on tourne comment dire, en moyenne, donc c'est pas mal. 33 753 éliminations également. Bon, bah, laisse tomber, hein. Score par minute, vous voyez, 502 de moyenne. Et il continue à baisser, donc c'est vraiment buggé, hein, je le répète. Je sais pas comment il est calculé, score par minute sur Infinite Warfare, mais il est buggé. Parce que tu peux pas avoir à chaque fois un score par minute moyen des 5 dernières parties qui est dans les alentours des 500 à chaque fois, hein, vraiment. Vous pouvez le voir de toute façon à chaque vidéo de passage au prestige. Et pourtant, sans cesse, à chaque vidéo, ça baisse. Vous pouvez voir, hein, du passage au prestige 1 au passage au prestige 10 aujourd'hui, mon score par minute, plutôt, il a fait que baisser. Incompréhensible, mais bon, c'est comme ça. Mais moi, dans mon cœur, je le répète également, j'ai 500 de score par minute. Vraiment, ça, c'est mon vrai score par minute, parce que là, c'est erroné, et elle est buggée, leur stat, ça se voit clairement. Après, bah, médaille, aucun intérêt, parce que j'ai pas cherché à faire de série, hein, pas du tout même, donc bah, ça n'a pas changé. Oh, j'ai fait quelques séries quand même, hein, mais bon, c'était pas de la volonté de faire des séries, c'est juste parce que je montais mes armes, mais que les ennemis n'étaient pas très très forts en face, du coup voilà, je faisais des séries, mais bon, sans plus. Donc voilà, pour les petites statistiques, je crois n'avoir rien oublié. Cette fois-ci, je n'oublie pas, je vais vous montrer directement la carte de Easy du coup du Prestige 10, qui, si je me rappelle bien, n'est pas très très belle. Ça fait chier quand même, du coup, pour un Prestige 10 d'avoir une carte comme ça, mais bon. Que veux-tu? Que veux-tu? C'est comme ça. Donc, jalon de carrière, défi de prestige, voilà. Donc c'est ça. Alors honnêtement, c'est presque la plus moche en plus de tous, quoi. Genre un pistolet comme ça qui bouge sur un fond noir. Non mais je crois que parmi ces 10 cartes de visite, c'est sûrement la plus moche. Vous nous avez chié dessus à côté, mon petit chien là qui est dans l'espace, il est vachement cool lui, non? Ouais, cette carte de visite, c'est la vie, non? C'est la vie, donc voilà. Du coup, on va passer au gameplay. Alors, gameplay dans quel mode aujourd'hui? Parce que moi-même, je me pose la question. Alors, on a fait tous les modes standards. Ça, c'est bon. Du coup, là, on se dirigerait plus vers les modes de compétition. Et ouais, liaison satellite, parce que liaison n'est pas dans les modes standards, si je me trompe pas, ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aller en liaison. Normalement, il y a des gens en liaison, donc ça devrait pas poser de problème pour trouver de partie. Je pense, en tout cas. Donc voilà, gameplay en liaison avec la Titan. Dès que j'ai fait ma classe, dès que j'ai trouvé une partie, on se retrouve pour faire ce tout premier gameplay. Cette fois-ci, ce sera vraiment vrai, du Prestige 10. Finalement, pas de liaison satellite aujourd'hui, et jamais d'ailleurs, je pense, hein. Vous voyez d'ailleurs que je suis niveau 2, donc oui, je suis tombé dans une partie déjà commencée de liaison satellite. Je l'ai fini dans l'espérance de tomber après bah, dans la partie, ce qui est logique, mais non, l'accueil a bugué, du coup je me suis dit, allez fuck! Liaison satellite, on abandonne et on va aller dans le mode de la semaine. Et le mode de la semaine, cette semaine, en tout cas la semaine où je vous tourne cette vidéo, c'est le mode enragé, voilà, qui fait son grand retour pour la seconde fois.
parce que c'est le second week-end où il est disponible, donc c'est parfait, hein. Moi j'aime bien le mode enragé, donc ah, ça me convient bien de vous le proposer aujourd'hui, voilà, pour ce petit gameplay. D'ailleurs, peut-être qu'à chaque fois, du coup, maintenant, pour chaque passage au prestige, bah, le gameplay, je le ferai à chaque fois dans le mode de la semaine. Au moins, bah, à chaque fois, ce sera diversifié, parce que, bon, le mode de la semaine, il change chaque semaine, donc c'est parfait. Donc, ouais, sûrement vous faire ça, du coup, à l'avenir. Bon, on est encore sur Precinct, par contre, à chaque passage au prestige, ça se passe sur Precinct, mais bon, c'est pas moi qui choisis la map, hein, non plus, sinon, on serait pas rendu, hein. Mais ouais, du coup, je pense que, bah, Liaison, c'est un peu mort. En fait, c'est chiant qu'ils aient un peu décalé certains modes comme ça comment dire, en compétitif. Ils auraient pu être dans les modes standards parce que, du coup, les gens, vu qu'il est tellement excentré, en fait, enfin, la playlist est tellement excentrée, bah, que les gens, ils ont même pas idée de jouer dans le mode, hein. Et du coup, bah, y a personne dedans, hein. C'est pareil pour capture du drapeau. Après, recherche et destruction et points stratégiques qui sont aussi en standard, donc c'est pas un problème. C'est quand, d'ailleurs, que je vais tuer mon premier ennemi, là, parce que... Parce que ça commence à tarder, hein. Mais c'est surtout pour ça, ouais, du coup. Assistance, non. J'avais croisé mon premier adversaire. Et on me le pique. On me le pique. Genre, on est déjà à 10 de points et j'ai toujours pas de kill. Ok, j'ai rien dit. Il y a du kill, là. En tout cas, non, par contre... Oh là, le shoot, il va être mauvais, hein. Je suis tellement pas habitué à la crosse, là, intégrée. Encore assistance. Putain, non, mais... Eh, ce début de gameplay, c'est du foutage de gueule, hein. Parce que les assistances et tout... non, arrêtez, là. Arrêtez, ça me fait déjà deux assistances. 3 assistances! Putain, mais j'ai fait 3 assistances, non mais t'es sérieux? On peut arrêter là, hein. Ok. Bon là, la crosse... Eh non, mais c'est tellement... Putain, c'est tellement chaud les gros décaches que je fais. Il y en a, ils aimeraient bien avoir une crosse intégrée. Moi, vraiment, j'aime pas, hein. J'arrive pas parce que le shoot, après, ça me gâche complètement. Faut s'y habituer, quoi, hein. C'est jamais quelque chose que j'ai très... Faut vraiment apprécier, tu vois, en enragé. Alors que j'apprécie énormément le mode de jeu, mais ça, par contre, ça passe moyen. Ok. Ah, dommage. Ah bon, là, en même temps, il m'avait déjà un peu one. Oh putain, la camionnette, elle va exploser. Je me barre, je me casse. Et au moins, je vais un peu profiter, du coup, voilà, de ce gameplay pour faire bah, peut-être des petites séries 3. Hein. Comme ça, ce sera ça de moins à faire pour la suite. Même si moi, je préfère faire ces petites séries 3 en mêlée générale. On est en enragé, c'est de la MME quasiment. Bon, pourquoi pas, hein. Dans l'absolu. On les voit vraiment pas beaucoup, hein, et pourtant... Je sais qu'ils sont pas mal en face. Ouais, ça rejoint, mais ils sont 5. On les croise pas beaucoup. Ça, c'est moi. Hein. Ah, dommage. Bah, en fait, dès que je fais un kill et que je suis en mode enragé, j'arrive plus après à enchaîner avec la crosse intégrée, comme je l'appelle. Putain, ouais, c'est brutal, quoi, la différence. Surtout quand t'es avec une batteuse comme ça, je rate tous mes balles, quoi. C'est affreux. Lui, on va quand même tenter de l'avoir. Il s'est cassé. Ah ouais, mais c'est tellement différent, quoi. Je sais pas d'ailleurs si parce que j'ai une batteuse, c'est quand même moins prononcé qu'avec une mitraillette, ou c'est exactement la même chose en enragé, je sais pas. Mais tu vois la différence, hein, clairement, hein. Même quand j'ai une crosse d'ailleurs, ça fait pas un tel décalage, vu que j'ai joué à la crosse précédemment pour les kills avec 6 accessoires là, et je peux vous dire que c'était pas aussi brutal une crosse, donc c'est pire qu'une crosse là d'ailleurs. Hein. Regardez ça, comment tu peux faire des pas latéraux abusés. Oh là là. Non! Ah merde, c'était la griffe! Putain, moi je croyais que j'avais... Ah mais normalement ça me l'a... Ouais, ça me l'a pas consommé. Je croyais que j'avais le blindage actif. Je joue tellement avec le blindage actif récemment que... Je me fais douiller là, à mon propre jeu. Bon, je fais du combien? Ouais, 11-7. Je pense pas que je ferai un gros gameplay là, hein. Mais bon, si je fais au moins un gameplay, c'est... c'est déjà ça. Après, la qualité, bon... c'est secondaire. Oh putain. Là par contre... Ouais, vas-y, tu l'es. Et moi... J'arrive! Wouhouhouhou! Elle a piqué. Oh putain, la grenade à dispersion, t'es sérieux? Oh non, mais là, le mauvais timing pour moi, quoi. C'est un très mauvais timing. Bon, du coup, j'ai rien à vous raconter de spécial, hein, durant ce gameplay, parce que, bah, j'ai pas monté cette fois-ci, bah, du coup, les batteuses, en l'occurrence, hein, pour le cas présent, en diamant. Donc non, j'ai pas passé 20 niveaux d'un coup, il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire, donc il y a vraiment rien à dire, hein, par rapport au passage au prestige 9. Oula! Qu'est-ce que c'était que ça? C'est Mako ou quoi? Il y a les signaux rouges, ouais, c'est Mako. Bah voilà, c'est parfait, comme ça je peux vous prouver que j'ai vraiment une queue de merde. Parce que des fois on pouvait pas me croire, parce que c'est vrai qu'en vidéo j'ai pas trop de problèmes de queue, mais là vous avez vu, hein. Waouh. Et je crois que ça venait vraiment de moi, hein, et pas de la partie, hein, vu qu'il y avait les signaux rouges sur le côté. Et quand t'as des signaux rouges, c'est que c'est pas bon du tout, il était où lui? Ok, il était sur le wallrun. Il était sur le wallrun. Comme lui d'ailleurs. Ça va, les signaux rouges ont vite disparu, parce que sinon
J'aurais été bien. Ah putain, dans la merde. J'arrive à faire zéro série. Hein. Est-ce que j'ai fait au moins une série de 3 depuis le début? Ouais, une peut-être, mais pas plus. Hein. Parce que la grosse crosse intégrée là, j'arrive pas. Bonjour monsieur. Bah une fois que t'as mis tes premières balles, t'arrives à te calibrer, mais le reste. Le début, en fait, le premier shoot, c'est compliqué. Ok, bah là j'ai fait une série de 3, tiens, en en parlant. Yeah. Allez, vas-y, on finit une autre série de 3, ce sera encore mieux. Oh putain, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. En plus, là, il me manque un kill pour faire notre série de 3. Bah non, je suis mort. Niveau combien là? Niveau 3 ou 4? Ah, 4 du coup, ouais. Ouais, ça avance vite, hein. Ça avance vite. Hop. Ça va, c'est pas si catastrophique que j'aurais pu le penser. Surtout que là, j'ai pas vraiment les bons accessoires sur ma Titan. Vu que j'ai pas encore débloqué bah, le truc qui me permet d'avoir 3 accessoires, quoi. Hormis le viseur, bien entendu. Là, il y a du monde. Ça va, je commence un peu à m'habituer à la grosse crosse de retour. Chaque fois, c'est une question d'habitude, hein, ce truc. Ah, par contre, on va la perdre. Hein. Je crois que c'est inévitable, ça. Ah, dommage. Je suis eu combien, là? 26-14. Ouais, par contre... Ah oui, bah super, j'ai des mauvais alliés, en fait. Encore la douille au niveau des alliés. C'est pour ça qu'on perd, parce que moi, finalement, je me disais, ça va, je fais pas trop de la merde. Mais ils sont tous en négatif à côté, donc bon. Voilà, voilà, quoi, hein. On s'en passerait des alliés, finalement. Ok. Eh bah, deux ratio pile poil, hein, 28-14, par contre, les autres... Ah bah, j'ai deux barres, ouais, je me disais bien, il y avait un petit problème de co aussi, vous voyez, mes barres, voilà. Deux barres, quatre barres, ma co qui est comme ça, versatile, elle balance dans tous les sens. C'est du connu. Et les alliés, ouais, y a pas un seul qui a fait du positif. Et ouais, surtout quand je regarde en face, ouais, donc j'avais vraiment des alliés de merde. C'est pas grave. J'ai quand même réussi à faire les bonnes choses, nique les campeurs. T'as bien raison, toi, j'apprécie ton emblème. La vérité jaillit de cet emblème, c'est magnifique. Bon bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Oh bah comme par hasard, il y avait Néon, tiens, j'aurais bien voulu faire une map de DLC, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui du coup, hein. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, le petit passage du coup au Prestige 10 qui fait plaisir. Alors du coup, moi je vais hâter maintenant de mon côté pour faire ce que je vous ai dit, donc faire les derniers défis de la Titan et du KBS dans une même partie, histoire d'essayer de battre le 250 000 XP. De toute façon, je posterai sur Twitter si j'arrive à le faire. Et je vous tiendrai au courant sûrement dans le passage au Prestige 11 du coup. Bah peut-être pas très très vite hein, cette fois, mais sera sensiblement quand même assez vite je pense, en termes de décalage entre les vidéos. Du coup, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la récompense. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur Infinite Warfare ou sur d'autres jeux. Allez bye tout le monde. Oh yeah.